1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banquet 10. C'est pas une obligation quoi. C'est pas la sensibilisation que les enfants ont vu que voilà, pour venir à l'école maintenant, c'est pas forcé. Ils ne sont même pas obligés de venir à l'école, mais c'est volontaire. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Merci. Bonjour les élèves, asseyez-vous. Merci, merci. C'est ça. À l'école Aura ici, on fait des formations d'abord, avant de les envoyer à l'école publique. Parce que quand ils vont partir directement là-bas, ils ne seront pas bien accueillis. Hein? Ils seront timides, ils ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas bien parler. Mais on ouvre d'abord leur cerveau ici, hein? On fait les animations ici pour les motiver. Après, maintenant, quand ils vont arriver là-bas, maintenant ils vont bien travailler. Comme les écoles Aura ont fonctionné pendant longtemps, donc les binous ont déjà compris que oui, les autochtones, quand ils commencent de fréquenter à l'école Aura pour rentrer maintenant là-bas, il n'y a aucun problème par là. Il y a un grand changement qui s'est passé. Oui. C'est l'inspecteur qui était, hein, l'inspecteur qui était passé. Il avait expliqué tout ça aux enseignants. Il ne faut pas sous-estimer les petits bantous, les petits autochtones. S'ils viennent, prenez-les comme vos enfants. Donc c'est comme ça maintenant, les enfants maintenant sont fiers. Même si l'école Aura ne veut pas vivre, ils vont s'inscrire là-bas à l'école publique eux-mêmes. Une hache. Un habit. Et là-bas. Un habit. J'habite dans une hutte. Là, t'as eu la difficulté pour les trouver? Oui, il y a... C'est toi qui as téléchargé? Oui. Tous les jours, c'est à dire demain, tous les jours. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'absences à cause des parents aussi. C'est les parents qui entraînent les enfants en forêt. Parce que l'enfant, il ne peut pas laisser son enfant à la maison seul, il va mourir de faim. Et il doit avoir amené son enfant avec lui. C'est comme pour le moment, nous sommes à l'époque de la peste au barrage. Donc tous les parents, pour le moment, ils sont dans des campements en forêt. Ils sont en forêt, ils travaillent pour avoir du poisson, pour vendre et pour manger. Et il y a des bantous qui les suivent dans les campements pour acheter les poissons, pour faire l'échange avec les postes radio, les lampes torches, etc. Les cartes mémoire, les assiettes, les marmites. Et c'est pour cela que beaucoup des enfants partent avec les parents, avec leurs parents. Voilà pour d'autres qui arrivent, d'autres élèves qui arrivent de l'Ikamo. Ceux qui viennent de 7 km. Voilà, ils arrivent peut-être à 5 personnes, 5 ou 6 personnes, ils sont derrière toi. Allez, boya. Yalo. Boya, à la gare, amangé sans trafic, amangé de maïelle, à la gare. Loba présente, Mozanda Pascaline. Mangolo Chantal. Atto. Mokessa Bezamin. Atto. Eboka François. Atto.
il est allé à la chasse au barrage. Et Dungu Hélène. Akei Kolia Bambisi na Zamba. Malembe, malembe. Chala. Malembe. Bien. Il faut quand même respecter leurs droits, leurs coutumes. Parce que parfois, ils disent non, on va partir faire la cueillette de miel. On ne peut pas les bloquer. Parce qu'ils sont habitués à ça. Ils sont nés avec ça. Donc, on ne peut pas les changer. Donc, on doit les respecter aussi. Et on peut patienter pendant quelques semaines ou deux semaines, trois semaines. S'ils reviennent, on va toujours les recevoir. Donc, on est là pour tout le monde. Kombi, ça veut dire c'est la pêche au barrage. Au barrage pour les poissons. Ils font les barrages pendant que les enfants aussi sont proches des parents pour apprendre aussi comment faire les kombi pour avoir beaucoup de poissons, vendre, avoir de l'argent. Et il y a aussi l'époque du miel. C'est au temps de Mbasso, au mois de mai. Donc c'est pour cela la PAM nous a envoyé les produits pour les faciliter, de les garder. Pour ne pas qu'ils aillent encore en forêt. Mais il y a la nourriture à l'école. Là, ils profitent pour manger à l'école, donc ils ne peuvent pas aller encore en forêt. Observer, réfléchir, agir. Nanzinga Mboka, allez. Nani ako ganga liboso na baninga. Eh yaka yaka utelema awa. Ora ilige loba bibi. Ora ilige loba. Omani, osasani, osani. Ici, l'année passée, j'avais 3 élèves bantou. Maintenant, quand tu vas au tableau, les bantous, s'ils vont au tableau, maintenant s'ils n'arrivent pas à bien écrire, maintenant les élèves autochtones se moquent d'eux. Donc il y avait une rivalité entre eux. Et les autochtones travaillent plus que les bantous. Mais ici, c'est chez eux. Eux, maintenant, ils commandent ici. Vous voyez? Donc parfois, même si le bantou vient en retard, il dit, monsieur, il vient en retard, il faut le punir, il faut le punir. Ça, c'est eux qui me disent quoi. Et même, hein, ils demandent que j'ai le punis devant. Ils disent, bon, d'accord, je ne vais pas le punir, mais il va faire le punis. Vous-même, vous comptez. Parce qu'on ne tape pas, mais on fait seulement l'espoir. Si c'est nous à Ignelé, il y a d'autres écoles que les enseignants sont un peu sévères pour faire comprendre les enfants. Il faut quand même taper un peu. Mais comme l'État congolais a défendu que non, pour taper les enfants à l'école, c'est interdit. Donc c'est pour cela que même si nous à l'école aura, on ne tape pas les enfants. Mais on peut les gronder et on les explique bien comment il faut faire pour bien être à l'école.